Donc, rebonjour monsieur. Bonjour. Vous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes présent devant l'église aujourd'hui. Voilà, donc je suis prêtre catholique et religieux de l'ordre de Saint-François d'Assise, religieux capucin. Voilà. D'où la tenue. Voilà, d'où la tenue, avec le, ce qu'on appelle le capuce qui est derrière. Voilà. Mais nous ne risquons pas de vous manquer là, voilà, hein, vous voilà, êtes très typique. Voilà. Et puis voilà, j'ai une barbe en plus qui s'est développée assez volumineusement. Ah, vous l'avez laissé développer, donc voilà, ça avec sa voilà. Caractère. Je suis le père Joseph, et donc je suis venu ici afin d'exprimer ma contestation des mesures gouvernementales qui ont été prises d'interdiction du culte public en France, aussi bien dans les églises qu'à l'extérieur des églises. Et je pense que c'est une mesure injuste qui s'oppose au droit le plus strict de tout citoyen de pouvoir rendre à Dieu les hommages qui lui sont dus et de pouvoir pratiquer les sacrements. Et voilà, donc je tiens en tant que prêtre catholique et que citoyen français à exprimer ma désapprobation de tout cela. Y a-t-il une raison pour que vous soyez devant cette église en particulier ? Bon, c'est vrai qu'on a, beaucoup d'affection pour Sainte-Jeanne d'Arc, dont la statue se trouve en face de l'église Saint-Augustin. Sainte-Jeanne d'Arc qui a été aussi très courageuse et héroïque pour le salut de la France. Hein, donc nous sommes heureux d'être à côté d'elle. Donc c'est une sorte de démarche guerrière, entre guillemets. Quoi. En tout cas, c'est une démarche combative, disons. D'accord, d'accord. Comptez-vous avoir beaucoup de personnes qui vous suivent? Alors là, je ne sais pas trop, on espère, mais évidemment, c'est sûr que... Excusez-moi, je précise quand même que ça commencera dans une demi-heure à peu près. Dans une demi-heure, oui. Donc pour l'instant, tant les mesures sanitaires que les répressions diverses qui existent contre les manifestations à caractère religieux, certainement sont un peu décourageantes pour un certain nombre de personnes. Enfin, on espère quand même qu'il y aura du monde, voilà. D'accord, ouais. Alors... N'avez-vous pas peur que le gouvernement ou d'autres personnes vous accusent de copier les musulmans avec des messes devant le culte en extérieur? Vous craignez-vous une comparaison? Ce serait un petit peu inverser les choses, parce que la France est quand même chrétienne depuis le baptême de Clovis en 496, donc il y a quand même juste 15 centenaires de différence. Donc c'est plutôt les musulmans qui ont copié que le contraire. Je crois qu'il ne faut pas inverser les choses. Je ne parlais pas de la présence, bien entendu. Je parlais absolument de la semaine des prières de rue, par exemple. C'est-à-dire que rendez-nous nos églises et nous ne prierons pas dans la rue. D'accord. Ouais. Avez-vous des nouvelles d'une évolution du gouvernement pour les prières? Je sais qu'il y a eu des convocations de certains religieux, par exemple. Voilà, j'ai l'impression que, malgré tout, le mécontentement de beaucoup de catholiques en France, qui s'est traduit par des manifestations nombreuses dans les villes de province. Il y en a d'ailleurs, je crois, une autre qui est organisée à Paris à 17h. Saint-Sulpice, a priori. Saint-Sulpice, voilà. Font que le gouvernement va peut-être assouplir les choses. Et je pense qu'effectivement, on l'entend bien comme ça. Et ce qui est certain, c'est que Noël sera Noël pour les Français. D'accord, oui, a priori. Ouais. Donc, eh bien voilà, souhaitez-vous dire autre chose? Faites-vous partie d'une association autre que votre ordre Non, mais je suis juste religieux de Saint-François d'Assise, ça me suffit. À vous personnel. Parce que j'ai aussi un appel, par exemple, Civitas, sur la banderole. Oui, parce que Civitas sera présent ici. Mm-hmm. Voilà, sera présent ici. Et donc, je dirais bravo à Civitas de faire le travail qu'il fait, justement, pour le rétablissement des lieux de culte. Et espérons que beaucoup d'autres associations imitent Civitas dans ce qu'elle fait. Eh bien, merci mon père. Je vous en prie. Au revoir. Oui, au revoir. J'étais là. Allez, voilà. Merci.
fils ? Oui. Ah, bah le voilà, le fils. Vous savez bien ? Ça va bien. Oh, les résistants de l'erreur. Ça va bien ? Ouais, ça va, toujours là. Mais il a grandi, toujours là, hein ? Toujours là. Et alors, là, ah non, je chante pas. Bonjour, bonsoir. Attention, vous êtes surveillés. Il y a la télévision juste à côté de vous. Sans compter toutes les caméras de surveillance. Rassurez-vous, la 5G vient d'être déployée. On n'aura plus besoin de masques pour voter parce qu'il faudra mettre en place la reconnaissance faciale. C'est les bonnes nouvelles du jour. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai de bien vouloir vous rapprocher du centre de cet espace afin de ne pas être dans la zone de circulation qui pourrait être sujet à danger pour vous comme pour les automobilistes. Ça, c'est la première chose. Donc, n'hésitez pas à prendre toute la place dont vous avez besoin. Je vous demanderai en préambule de cette manifestation de bien vouloir respecter les consignes de sécurité qui nous sont imposées et qui n'ont pas beaucoup changé puisque ce sont celles de la ville de Paris. Le port du masque était obligatoire, comme vous le savez. Vous avez aussi la nécessité de respecter des distances. Alors les familles, on comprend bien que quand vous êtes avec vos enfants, on ne va pas vous demander de vous en éloigner, mais ça n'empêche pas que faites un peu cet effort. Ne serait-ce que pour des questions de vertu, il est plus intéressant de nous aider avec 135 euros plutôt que de les donner à l'État, parce que vous avez enfreint la loi. Hein, dur Alex, c'est de l'ex, c'est pas de moi, mais en tout cas ça s'applique malheureusement à nous. Voilà, donc n'hésitez pas, rapprochez-vous, ne restez pas au niveau du passage Comté s'il vous plaît, messieurs les abeilles aussi, excusez-moi. Et puis, étalez-vous, hein. Voilà, très bien. Respectez quand même les distances de sécurité, mesdemoiselles, s'il vous plaît, ne restez pas sur la voie publique. Nous vous demandons de ne pas rester sur la voie publique. Donc, montez sur le trottoir, étalez-vous, il y a de la place. Je vous remercie. Bien. Le sujet de cette manifestation, je pense que tout le monde le connaît. Il n'y a peut-être pas tellement besoin de revenir dessus. Je vais me contenter aujourd'hui de ne faire que remplacer M. Escada, notre président, qui, comme vous le savez, n'a pas pu franchir la ligne Maginot. Il est retenu en Belgique, n'est-ce pas ? Et en ce qui nous concerne, nous sommes toujours sous l'autorité de l'Allemand. Vous m'avez dans une situation périlleuse, n'est-ce pas ? Voilà. Nous sommes réunis aujourd'hui pour revendiquer un droit qui nous semble relativement simple et élémentaire, qui est celui de la liberté. Ces libertés que l'on voit fondre aujourd'hui comme la neige au soleil, quand il ne s'agit pas d'embastiller un écrivain pour ses propos, demain un éditorialiste pour son journal, et on ne connaît pas encore la suite, on retire même jusqu'à notre droit élémentaire et sacré en ce qui concerne les catholiques, qui est celui du dimanche et qui est celui de la messe, de la très sainte messe. Nous avons choisi un endroit un peu symbolique. Vous avez juste derrière nous Sainte-Jeanne-d'Arc, dont on fête le centenaire de la canonisation cette année, et que malheureusement nous n'avons pas pu faire, pas plus que nous avons pu faire le pèlerinage de Chartres. Et comme beaucoup, nous avons aussi été privés de Pâques, des célébrations de Pâques. Qu'en sera-t-il de Noël ? Voilà, voilà les questions qu'on peut se poser au travers de la liberté. Ce n'est pas simplement un élément de liberté que la messe, mais elle fait partie d'un tout, cette liberté. Et ne pas la défendre aujourd'hui, c'est se comporter de façon lâche par rapport à une nécessité. Cette nécessité, c'est de ne pas reculer devant le combat, désigner l'ennemi. C'est très clair, c'est très simple. Hein? Donc nous allons avoir aujourd'hui, nous avons la présence du révérend Joseph Capucin de Morgon, qui va donc
prendre la parole. Je vais reprendre la parole à la fin de ce rassemblement pour vous lire le discours de M. Alain Esqueda. Voilà. Donc, rapprochez-vous, ne restez pas sur le trottoir. Merci. Gardez vos distances, portez votre masque et portez-vous bien. Vous avez un peu. Chers amis, mon intervention portera évidemment sur la bataille pour la reprise du culte public. J'évoquerai d'abord la part qui revient dans cette bataille à l'épiscopat. Je montrerai ensuite qu'elle n'est pas facultative, puis je dirai quelle est la détermination qui doit être la nôtre. Dans un entretien qui me donna en l'ambéine, au magazine des chrétiens d'extrême gauche Godias, le professeur Israël Mizo, interrogé sur l'attitude des évêques de France à propos de l'avortement, fit la révélation suivante, je le cite. Au moment du vote de la loi en 1975, beaucoup ignoraient que l'Église était de fait favorable à cette mesure. En effet, les évêques de France ont eu à plusieurs reprises, et ce en présence de Simone Veil et de Valéry Giscard d'Estaing, l'opportunité de s'opposer à cette loi. S'ils s'y étaient vraiment déclarés hostiles, la loi ne serait pas passée. Simone Veil, je continue la citation, que j'ai rencontrée il y a quelques mois, me l'a d'ailleurs confirmé. Il est donc très intéressant de savoir que dans notre pays, l'Église a eu à gérer sa dichotomie, cette contradiction qui est de dire « Nous ne pouvons pas être d'accord sur le plan éthique avec l'avortement, mais cependant, il faut qu'il puisse avoir lieu et que le problème social posé puisse se régler. » Et il continue « Il faut remercier l'Église de France de ne pas s'être fondamentalement opposée à cette loi, même si elle a utilisé un double langage à ce moment-là. Officiellement, tout le monde, au niveau des parties concernées, s'entendait sur le principe qu'une vie commencée ne peut être interrompue, mais lors des négociations, les mêmes parties étaient d'accord pour résoudre le problème de l'avortement et non de la logique du moindre mal. » Fin de citation. À notre connaissance, cette information n'a jamais été démentie. Et au contraire, elle a été corroborée à plusieurs reprises, en particulier par le livre de souvenirs qu'a laissé l'évêque émérite de Cahors, Mgr Guédon, qui a raconté comment s'est passée la tenue de la commission des évêques de France au moment de la loi sur l'avortement, et comment c'est le silence qui a été la seule réaction des évêques de France. Si je rappelle ce point, c'est d'abord pour dire la force que nos ennemis, c'est-à-dire Simone Veil, reconnaissaient encore à l'épiscopat français il y a 45 ans. Il est vrai que depuis lors, les ravages opérés par le concile ont considérablement affaibli le catholicisme français et le poids de l'épiscopat français auprès du gouvernement. Quant à la nouvelle liturgie, elle ne peut ni attirer les catholiques, ni leur donner le goût de pratiquer. Mais cependant, que pourraient les forces de l'ordre et le gouvernement si les évêques français en tête et les milliers de prêtres qui restent encore dans leur paroisse ouvraient leurs cathédrales et leurs églises dimanche prochain pour y célébrer la messe? Le recours au Conseil d'État du président de la conférence épiscopale et de quelques évêques semble indiquer leur désaccord avec les mesures d'interdiction du culte public qui ont été décidées. Nous nous en réjouissons. Mais nous pensons que cette action juridique, puisqu'elle a été repoussée, n'exonère pas le clergé français de mener avec toute la vigueur possible le combat pour que le culte public soit rendu à Dieu dans la France fidèle de l'Église. Nous croyons qu'à un moment donné,
reculer, biaiser, ménager l'ennemi, reviendrait à trahir et à faire faire. Nous croyons aussi que l'ennemi mesure notre coefficient de résistance. Plus celui-ci est faible, plus les réactions sont timides et apeurées, plus il avance, plus il progresse. L'argument qui consiste à dire qu'on ménage son ennemi pour éviter de le mettre en colère et le préserver le peu qu'il nous laisse encore a fait son temps. À force d'avoir agi ainsi, nous avons à peu près tout perdu, et aujourd'hui jusqu'au culte public. Que transmettrons-nous à nos enfants? Devant les faits, reconnaissons enfin que nous avons fait fausse route. Cessons la politique des compromis, prenons notre courage à deux mains et affrontons notre ennemi avant qu'il ne nous ait affaiblis encore davantage. Nous ne sommes pas arrivés à un point où, de toute façon, nous n'avons à peu près plus rien à perdre. Si d'ailleurs nous devions subir de la trappe des forces de police sur tous les clochers de France, nous aurions remporté une immense victoire morale. Redonner la fierté aux catholiques. Et nous verrions s'accomplir devant nos yeux la grande vérité exprimée par Tertullien, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Mes chers amis, la bataille du culte public que nous menons n'est pas une bataille optionnelle. Je veux préciser que la réaction vraie et forte que je préconise n'est pas une option qu'on peut choisir parmi d'autres. L'interdiction du culte public est une loi injuste et mortifère pour les âmes. Aucune autorité humaine n'a le pouvoir de s'opposer aux lois divines. La tyrannie survient lorsque les législateurs, je cite saint Thomas d'Aquin dans son traité sur les lois, outrepasse le pouvoir qui lui a été confié. La suppression du droit du culte public en France est une loi tyrannique qui oblige en conscience le clergé catholique et le catholique à une opposition proportionnée. En période de tyrannie, nous sommes presque obligés de nous référer à l'attitude et au langage héroïque et exemplaire d'Antigone qui nous sert de phare. Rappelons que Créon, aujourd'hui nous dirions Macréon, roi de Thèbes, avait publié un décret condamnant à mort les rebelles et les privant de sépulture. Parmi les rebelles qui périrent, il y eut Polynice, neveu de Créon et frère d'Antigone. Celle-ci n'hésita pas à lui donner une sépulture et s'exposa à la colère de Créon. Dans l'acte 2, scène 3 de la pièce de Sophocle, Antigone répond à Créon : je ne voyais pas certes que tes édits eussent tant de pouvoir qu'ils permissent à un mortel de violer les lois divines. Loi non écrite celle-là, mais intangible. Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, c'est depuis l'origine qu'elles sont en vigueur et personne ne les a vues naître. Antigone sera condamné à mort, mais son exemple nous aide jusqu'à ce jour. Et si l'on veut maintenant une référence chrétienne pour confirmer la sagesse du vieux Sophocle, citons saint Paul, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous devons d'autant plus cesser d'hésiter et de choisir la réaction vraie, forte et frontale autant qu'il le faudra. Que Macréon n'est pas seulement celui qui interdit le culte public, mais qu'il est en même temps celui qui revendique le droit aux blasphèmes. Laissons une fois pour toutes de côté l'illusion de la neutralité républicaine et de ce respect de la religion. Sous son masque, la République, celle qui fait porter le masque, est la première à être masquée. Sous son masque de neutralité, elle est anti-religieuse, et spécialement anti-chrétienne et catophobe. Son ambition est celle du Léviathan de Hobbes. Elle est de s'attribuer, comme à un César tout-puissant, ce qui n'appartient qu'à Dieu.
c'est à l'élimination de l'Église qu'elle vise purement et simplement, ainsi que les symbolise les cathédrales brûlées et les cimetières profanés et les églises fermées. On me dira sans doute que je perds mon temps à espérer une réaction courageuse des évêques français. Ce n'est pas que j'ai beaucoup d'illusions. Le temps de Mgr Fréthel, du cardinal Pi et du cardinal de Cadrières est révolu depuis longtemps. Et cependant, qui ne sait rien n'obtiendra rien. D'autre part, à défaut de convaincre des évêques, toute réception favorable de la part des prêtres ou des catholiques constituera déjà un avantage, un renforcement de notre opposition et macréonisme. Peut-être peut-on miser aussi sur le sentiment qui se développe, le sentiment des Français d'avoir été floués jusqu'au plus profond de l'âme qui submerge aujourd'hui notre pays. Il existe une force qu'il ne faut pas sous-estimer, qui vient de la prise de conscience d'avoir été roulé dans la farine depuis la Révolution française. Mes chers amis, est-ce que j'étends mon appel à la résistance aux autres religions? Je ne le ferai certainement pas, mais il faut dire que théoriquement, tout croyant, tout homme normal qui croit en Dieu, les athées sont une race qui date de la fin du 19e siècle, tout croyant doit réagir devant l'iniquité que constitue la suppression du culte public. Cela appartient au droit naturel que les païens connaissaient. Dans son contrat Calantes, Plutarque écrit, je le cite, qu'il est plus facile de bâtir une ville dans les airs que de constituer une société sans la croyance au Dieu. Entends-tu, Macron ? Et si tu préfères que j'interroge Rousseau, il constate dans le Contrat social, livre 4, chapitre 8, que jamais État ne fut fondé, que la religion ne lui servit de base. Et si tu veux que j'interroge l'impie Voltaire, il te répond que, citation, partout où il y a une société, la religion est absolument nécessaire, au chapitre 20 du traité de la tolérance. Alors, il est intéressant de voir les tyrannos d'aujourd'hui qui prétendent pouvoir se passer de Dieu et blasphémer Dieu. Il est aussi intéressant de constater que aujourd'hui, ni les juifs, ni les musulmans, ni les protestants n'ont l'air bien préoccupés de l'interdiction du culte. Soit certains d'entre eux, comme cela a été démontré, peuvent aller dans leur synagogue sans être inquiétés, ainsi que Rivarol l'a démontré lors du premier confinement, soit, et c'est probablement le fond des choses, les convictions religieuses des uns et des autres ne sont pas assez fortes pour pouvoir monter au créneau honneur aux catholiques qui réagissent ici et partout en France. Mes chers amis, si nous n'avons rien fait ni de combats parallèles venus des autres religions, ni celui du clergé français, nos combats ne sont-ils pas des combats perdus? À cela, je voudrais répondre non pour plusieurs motifs. D'abord, ce n'est pas parce qu'un combat se solde par un échec qu'il a été un combat inutile. Il y a parfois un devoir de combattre à grande inégalité d'armes, parce que le devoir et parce que l'honneur nous le demande. D'autre part, ainsi que le montre l'exemple de Saint-Louis, dans l'exemple des deux croisades successives qu'il organisa, dont il prit la tête et qui échouèrent toutes les deux, il y a d'éclatantes victoires spirituelles et morales qui existent derrière des échecs apparents, qui maintiennent l'honneur, le courage, la pugnacité des générations pendant des siècles, et Saint Jeanne d'Arc est là pour nous le dire sur cette place. Ensuite, parce que nos combats sont de très précieux moyens d'apostolat,
pour redonner la fierté aux catholiques et ramener les Français au vrai catholicisme. Ils s'aperçoivent qu'il existe encore des citoyens français qui ne sont pas morts, qui sont vivants. Ils se rendent compte qu'ils veulent sauver la France comme eux et faire route vers eux. Il y en a parmi vous et c'est un grand, une grande espérance pour nous que de voir le retour de beaucoup de ces Français vers le catholicisme. Je voudrais encore dire que tous ces combats ne doivent d'ailleurs jamais être réputés perdus d'avance, ainsi que l'avait montré le recours lors du premier confinement, mieux nommé incarcération à domicile, ou le Conseil d'État de la terre au gouvernement et qui permet la réouverture du culte. Je vais encore citer les jugements qui viennent d'être rendus par les tribunaux correctionnels dans Puy-de-Dôme, Vive-l'Auvergne et à Paris, et qui reconnaissent l'iniquité de l'interdiction des messes en public et des prières en public. Et mes chers amis, une justice élémentaire demande de reconnaître que ces combats, pour une large part, sont dus aux initiatives de Civitas et que ces victoires sont le fruit de ces impulsions et de ses travaux. Il est aujourd'hui urgent que les catholiques et les Français prennent conscience que le combat aujourd'hui sur le plan politique est mené en particulier, pas uniquement sans doute, mais en particulier par cette institution présente sur tous les fronts, en dépit du petit nombre de ses cadres. Je ne dis pas uniquement par cette institution, mais principalement par elle. Alors, laissons de côté des préventions ridicules, des chichis de chatelles, des jalousies mortifères pour apporter notre concours à cette instance politique française qui a officiellement affiché comme but le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et explicité comme première visée de son action la destruction des loges maçonniques, la suppression des lois Taubira et Veil.